Et plop les gens, ici Zikino, sur Bad Boy, on va faire le 10e niveau, mais on va commencer par aller à la boutique d'Elisa. Parce que on veut un tonic rouge. Parfait. Voilà, déjà, ça c'est fait. Et avant de passer au 10e épisode, je me souviens maintenant qu'on a 9 personnages. Normalement, vu qu'on a fait 9 niveaux, on les a tous retrouvés. On va leur parler ici. Puis après le 10e niveau, il y a quand même quelque chose ici à voir. On verra, on retournera, mais on n'aura pas forcément besoin de parler de tout. Ou alors, ils auront tous changé de dialogue en mode bah, on a gagné. Du coup, ça sera aussi intéressant de retourner après. Boire, man. Je peux boire, c'est cochon ou sanglier. Le jeu de mots sanglier barman, c'est pas mal. Vous aurez bien offert à boire, mais la cave est vide. Il me manque quelques ingrédients pour pouvoir refaire mes délicieuses boissons. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Ces boissons énergétiques vont m'aider à recouvrer mes forces. Mais ces smoothies aux fruits sont pleins de vitamines. Que choisis? Il vient me dire qu'il n'y a rien. C'est quoi cette playlist? Pas de Zumba, d'EDM, ni de K-pop? Comment je suis censé pratiquer mon aerobic sans bonne musique? Quelqu'un pourrait me filer un coup de main pour le déverrouiller? Un deuil? Ça va, Garou? T'as une poussière dans l'œil? Mais non, mais non! Pas de familiarité. Le combat contre le boss. Combat de... Ah, c'est combat de boss d'ombre. Et qui est marqué là sur deux Link. Bad Boy, cet endroit est dément. De la bonne musique, de la bonne bouffe et de la bonne boisson. C'est pas si mal, Stratos, finalement. Quel endroit apaisant. Parfait pour la méditation. Joins-toi donc à moi. Ça te relaxera et t'aidera à te concentrer. Je ne pense pas arriver à me relaxer tant que les autres sont en danger. Salut Ryozuki, je réfléchissais aux fantômes du manoir là. Je sais qu'ils font un peu peur, mais ils ont un bon lancer. Faudrait y retourner pour la revendre. Encore merci Ryozuki, j'avais complètement perdu la barre là. Voyons le bon côté des choses. Il y a de très beaux endroits à Strasbourg. On pourrait aller pique-niquer quelque part quand tout sera fini. Je sais que tu dois te concentrer sur le combat contre Lord Vicious. Mais promets-moi de faire attention, d'accord? Je le répète à personne, mais je ne crois pas que nous soyons encore au Japon. Alors que tout le monde parle de Stratos en disant bah oui, on n'est pas au Japon. C'est l'autre, c'est le chat que je veux. Moi, je suis un homme à chat, un homme à chien. On en a que 4, donc il y en a plein qui nous manquent. Et boire Ross là, pas grosse. Vous ne craignez rien, mon sens du style est connu dans tout ce costume. Défaut de costume. Ou alors. Hacker costume. Oh. Je viens de l'orer, mais j'aime pas le V. Ouais.
On va quand même faire le niveau comme ça. Contre Packer Costume, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. En plus de donner la clé, donner le costume de Packer. Je vais donc honorer ça pour le prochain, avec le prochain niveau, sur le prochain niveau. En plus, il y a tous ces niveaux là, en exclamation. On n'a pas encore du tout regardé. La boutique de Rufus, alors il est toujours pas là. Mais je n'avais pas fait gaffe, il y a un berbet là. Là, on dirait un masque avec des plantes et tout, donc il se déguise. Il se déguise en plante. En tout cas, il n'est pas de retour. C'est parti pour le palais d'ivoire. Même sur la carte, on a le costume, c'est mignon. Waouh, ce palais a l'air encore plus luxueux de l'intérieur. Une seconde. Voilà. Comment ça? Attendez, c'est quoi derrière? C'est juste un drapeau, je croyais que c'était un cochon. Une statue de cochon. Et le point rouge, c'est mon pointeur. Football. C'est des gardiens, d'accord. Et celui-là, c'était pas un gardien. Vu. Juste quand je disais que je repérais plus les... Oh là là. Rien de monté, j'ai essayé, mais c'était pas grand chose. On dirait que quelqu'un a quelque chose à compenser. Au secours. 1, 2, 3, 4 trophées, un buste, un portrait. Alors, je suis pas un grand fou. Enfin, j'ai arrêté de suivre. Ça, c'est quand même la coupe de la Coupe du Monde. Ça, elle me dit quelque chose, ces deux-là. J'aurais dit Europe en club et... Allez, n'hésitez pas, si vous êtes plus fouteux que moi, en tout cas, à mettre le timecode et dire 1, 2, 3, 4, ça correspond à... Je ne sais quoi. Je demande rarement de... des commentaires comme ça, mais... La taille de la porte reflète la taille de l'ego. Et ben... Oh là là... Ballon explosif là. Encore une peur. Oui. Il est là. Sachant que on a vu quelques pièces plus tôt.
Bon, ok. Je vois pas trop l'intérêt de ce stomper, il doit nous prévenir pour le niveau d'après, mais... Surtout bien vu qu'on ne pouvait pas... Le bas. Rapide, hein. PV. Ah, tu passes ici aussi. Oh. Non. C'est en haut pour avoir des bonus. Au moins, toute la traversée, il n'y a plus d'argent à récupérer. Je n'ai jamais vu autant d'or et d'ivoire au même endroit. Et tous ces jardins, ils sont plus grands que ceux de chez nous. Et ce monument, je me demande si je pourrais louer le palais pendant le week-end. Avec tout l'argent que je te donne, peut-être pour le week-end, oui. Alors... C'est là. Il y a relâche-minée avec toutes les coupes. Donc il y en a au moins une ou deux qui sont pas les vraies. Aïe 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 aïe. Fallait une belle diagonale et où
Une belle diagonale et où? Empêcher de te suicider, cochon. Ah bah, et où monter dessus gentiment? Gentiment, calmement. Y a moyen de descendre là? Là oui. Aïe 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 aïe, je voulais m'en servir pour monter. Happé. Pareil, niveau où on nous présente un tableau où on nous présente un ennemi plutôt. Et juste après, on en a plein. C'est vraiment n'importe où. Oh là là. La grille. Et sous. Ah là là. Ouh, c'est pas facile, c'est pas facile. Ok. Oh là là, c'est la misère, hein. Les étoiles. Arrêtez de me regarder. Paris, Taros, tout ça, poubelle. Je veux pas dans ma Pokéball, dégagez. Thank you.
Alors déjà, fermer la pour ouvrir la porte, c'est plus facile si je meurs, si je reste au bout. Pas m'embêter avec les étoiles pour monter sur le coffre de juste avant. Alors que de toute façon le coffre il va me donner un d'énergie. Non. On avance, on avance. Faut que j'arrête d'être avare aussi en point d'énergie. Ce qui est un peu relou, ouais, c'est que les... Vu que les étoiles, elles suivent un pattern en fonction de là où les bords de l'écran sont. Quand je bouge l'écran, ben le... Elle bouge différemment. Pas toujours au même endroit, au même moment, hein, ce genre de choses. Wow, wow, wow. C'est verticalement qu'il fallait grappiner par en diagonale à gauche. Il est peut-être trop comme un bourrin. Point à gauche, c'est la meilleure config. On les laisse revenir à gauche. Je pensais que je pouvais rester par-dessus, mais non, il n'y avait pas la place.
C'est bon. Captain Ace. Alors, que penses-tu de mon palais? C'est très éblouissant, n'est-ce pas? Une fidèle représentation de la grandeur de son propriétaire. Captain Ace, tu ne vas pas me croire, mais tu as été manipulé. Lord Vicious t'a lavé le cerveau pour mener à bien ses plans maléfiques. C'est ça, c'est ça. Écoute, Ryosuke. Je ne suis la marionnette de personne. J'ai fait un marché avec Vicious. Je devais vous attirer l'école. Et en retour, il me donnait des terres, ce palais. Une belle affaire, non? Attends, tu as fait tout ça volontairement? Espèce de sale petit profiteur! Tout de suite, les grands mots, réfléchis un peu. Il veut juste que vous participiez à son tournoi. Il ne vous veut pas de mal. Bref, assez parlé de sujets barbants. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour parler chiffon. Et en tant qu'hôte, il est normal de recevoir ses invités comme il se doit. Ouf, tu m'as fait une retournée acrobatique là. Oh. Vers il ou elle. Sur le tableau, je dirais il. Sur la vignette de, avec le nom du perso dans les dialogues, je redis elle. Ah oui, mais ce genre de dash, on a déjà. Et puis envoyer des ballons, on a déjà aussi. T'as aucune chance, Kentaro. C'est ça ton problème, Ryosuke. Tu te crois meilleur que les autres. Tout le monde te voit comme un chef né. Mais moi, on est ma claque d'être dans l'ombre du grand bad boy. Je ne serai plus jamais à la seconde place. Je n'avais aucune idée de ce que tu ressentais. Pourquoi ne me l'avoir jamais dit? Je ne suis pas un chef. On est une équipe. On est même plus que ça. On est des amis. N'est-ce pas là une bonne raison de ne pas se battre l'un contre l'autre? On a grandi ensemble, traversé des épreuves. Ensemble. Et dire que c'est moi qu'on traite de sentimental. Cesse tes violons. Tu vas me filer mal au crâne. On va régler ça ici et maintenant. Eh, c'est Bowser. Il ne peut y avoir qu'un seul capitaine. Et la balle est dans mon camp. Ouais. Oh yeah, yeah. Si je m'étais pas foiré le début, ça passait. Ça passait crème. Oh là là. Est-ce que Bad Boy est vert? C'est pour ça que je n'y arrive plus. D'ailleurs, sur les dialogues sur la vignette ne changent pas malgré le skin. Le niveau était un peu relou, mais normalement le boss ça va. Et je suis pas trop pressé. Oh là là. C'est balle assez rapidement par contre.
La première phase est de pire en pire. Pas lui renvoyer la balle et le taper pour avoir les frames d'invulnérabilité au moment où je le tape. Peut-être dans sa deuxième phase, j'avais essayé le grappin pour aller sur son. Machin sur sa machine. Voilà. Mais peut-être que je me suis pris quoi? Je me suis pris ma propre balle ou je me suis pris un ballon que j'avais pas vu? Explosé du coup. Parce que les ballons, normalement, je peux. Quand ils rebondissent comme ça, ça pose pas de soucis d'habitude. Voilà, seulement 2 PV en moins, c'est déjà bien plus raisonnable. J'ai plus d'énergie. Pas balancer toutes les balles comme ça dès le début parce que j'ai pris plein de dégâts en essayant juste de potentiellement sur bon rebond avoir le boss, essayer d'en avoir qu'une seule ou deux à la fois. Et idéalement, pas en les envoyant au hasard comme j'ai fait, mais en essayant de viser pour que le premier rebond au moins atteigne le boss ou ne soit pas très loin. Un PV en moins, c'est encore mieux. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Rends-toi, Gentaro. C'est fini. Je ne comprends pas. Pourquoi? Malgré mes efforts, je n'arrive jamais à te surpasser. Ce n'est pas une compétition. On est une équipe, je te rappelle. J'aurais vraiment besoin de ton aide contre Lord Vicious. La force sera décisive pour faire pencher la balance. Malgré tout ce que j'ai. Prêt à me pardonner.
Réfléchis bien, bad boy. T'es sûr de pouvoir lui faire confiance? En baseball, on a droit à 3 tirs. Tout le monde devrait avoir le droit à l'erreur dans la vie aussi. T'es vraiment un idéaliste, toi, hein? Je peux tenir ça de mon père. D'accord, tu peux compter sur moi. L'éclat de ce palais commençait à me faire mal aux yeux. Tu m'étonnes, même un aveugle serait ébloui. Si tu comptes battre Lord Vicious, fais-le avec style. Je peux te montrer comment réaliser mon célèbre écrasasse. Oh, c'est radical. Comme le kebab. J'essaie de toucher quelque chose qui se déplace. Plus difficile maintenant. Oula. Oula. Le jeu n'a pas vraiment apprécié. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Et c'est un du brouillard. On va voir les abysses sombres. Du coup, on vite fait à la taverne Funky. Vous serez mis réunis à la taverne Funky. Il y a tout le monde. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Rio, tu comptais sur moi. Même si je pense que t'as juste eu un coup de chance cette fois. La prochaine fois, je gagnerai, c'est sûr. Je rigole, j'ai pas perdu la tête, t'inquiète pas. Toi, t'es toujours... Rien. Est-ce que on a de quoi prendre une vie supplémentaire? Allons-y tout de suite. Donc l'épisode est correct et qu'on n'est pas au boss final. Et on peut peut-être même voir la boutique de Rufu. Est-ce qu'il est là? Toujours pas. Et ben... On verra le dernier niveau, les sombres abysses, la prochaine fois. J'espère que, bah, que l'épisode vous aura plu, que la série vous plaît, et retrouver tous nos amis, la force de l'amitié. Je vais juste changer le skin du personnage parce que je le préférais de base. Mais nous, on se dit à la prochaine. Bye bye.